Vidéo pour les quatrièmes sur les cycles de la femme, cycle de l'utérus et cycle des ovaires. Nous avons vu à la première vidéo l'organisation de l'appareil reproducteur féminin, juste pour resituer, l'utérus qui sert à la grossesse pour porter le bébé, les trompes et les deux ovaires qui fabriquent les ovules. Nous avons également vu dans la première vidéo qu'à l'intérieur de l'ovaire a lieu un cycle. Ici, vous avez l'ovule immature qu'on appelle au début ovocyte. Il s'entoure d'une couche de cellules, forme ce qu'on appelle un follicule. Ce follicule évolue, grossit, se gorge de liquide, devient de plus en plus gros, arrive au bord de l'ovaire, il éclate, c'est l'ovulation, puis se transforme en ce qu'on appelle un corps jaune, qui va grossir, puis à la fin du cycle, régresser. Vous avez sur cette photo une visualisation en 3D, enfin une image de synthèse de l'ovulation, c'est-à-dire ici un follicule bien mûr, qui est au bord de l'ovaire, qui éclate pour libérer son ovule. Donc, est récapitulé ici sous la forme d'un, entre guillemets, d'un menu déroulant, le cycle dans l'ovaire, donc l'ovule à l'intérieur qu'on appelle ovocyte car il est immature, le follicule qui grossit, se gorge de liquide, éclate, on est au 14e jour du cycle, puis se transforme en corps jaune. Pour rappel, la durée moyenne d'un cycle chez la femme c'est 28 jours, l'ovulation a lieu 14 jours avant la fin du cycle, donc 28 jours moins 14, l'ovulation a donc lieu le 14e jour. Le cycle chez la femme est régulé par ce qu'on appelle des hormones. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une hormone? Une hormone, c'est une molécule chimique, une protéine qui va circuler dans le sang. Elle est fabriquée par un organe que l'on appellera glande endocrine et va porter un message à un autre organe. Donc cette hormone, cette protéine, est fabriquée par une glande, passe par le sang et est transportée à un autre organe pour lui donner une information. Une hormone est une molécule chimique fabriquée par un organe appelé glande endocrine qui va apporter une information à un autre organe. Il existe un certain nombre d'organes dans le corps qui sont des glandes endocrines, c'est-à-dire qui fabriquent des hormones. Voilà un petit exemple côté femme et côté homme. Ce qui va nous intéresser concernant les cycles chez la femme, ce sont deux glandes endocrines, l'hypophyse et l'ovaire. Pour bien comprendre le principe d'une hormone, prenons l'exemple du diabète et de l'insuline. Quand on a trop de sucre dans le sang, un organe qui s'appelle le pancréas, situé ici, fabrique une hormone que l'on appelle l'insuline, elle passe dans le sang, et elle va aller communiquer à un organe qui s'appelle le foie, pour lui dire « Eh oh le foie, il y a trop de sucre dans le sang, il faut que tu le stockes ». C'est un peu le principe du facteur et du courrier. Quelqu'un veut écrire à quelqu'un d'autre, il met son message dans un courrier, le facteur le transporte et le met dans la boîte aux lettres du destinataire. Le facteur, c'est le sang. La personne qui envoie, c'est la glande endocrine, et la personne qui reçoit, c'est l'organe qui va être ciblé. Dans le cadre des cycles chez la femme, l'ovaire fabrique deux hormones, l'œstrogène et la progestérone. Dans la première partie du cycle, qu'on appelle la phase folliculaire, parce que le follicule évolue, l'ovaire, et en particulier le follicule, fabrique des œstrogènes. Dans la deuxième partie du cycle, après l'ovulation, ce qu'on appelle la phase dite lutéale, la phase où il y a le corps jaune, ce corps jaune, justement, fabrique une autre hormone qui s'appelle la progestérone. Quand la quantité de progestérone diminue, les règles dans l'utérus vont apparaître. Ça signifie donc que cette hormone, la progestérone, va avoir un effet sur l'utérus. Il existe une autre catégorie d'hormones qui régulent les cycles, ce sont des hormones cérébrales, donc fabriquées par le cerveau.
dans une petite partie ici qui s'appelle l'hypophyse. L'hypophyse fabrique deux hormones que l'on appelle LH et FSH. Si vous oubliez leur nom, c'est pas trop grave en quatrième. Mais vous en entendrez à nouveau parler au lycée. Ces deux hormones vont circuler dans le sang et vont apporter un message aux ovaires qu'elles doivent fabriquer les œstrogènes et la progestérone. Au moment de la puberté, ces deux hormones se mettent à être fabriquées chez l'homme et chez la femme, et ces hormones cérébrales venant de l'hypophyse vont contrôler chez le garçon les testicules et chez la fille les ovaires. C'est ce qu'on appelle les hormones ovariennes. Donc les hormones cérébrales, c'est LH et FSH, et les hormones ovariennes, c'est œstrogène et progestérone. Donc voici un récapitulatif du cycle, des différents cycles chez la femme. Donc dans le cerveau, chez la fille, dans l'hypophyse, la LH et FSH est fabriquée sous la forme d'un pic. Au début du cycle, il y en a très peu. Et quelque temps avant l'ovulation, on a une augmentation très importante d'une hormone, la LH, par l'hypophyse. Cette augmentation importante va entraîner la fabrication par l'ovaire de l'œstrogène. Puis cette quantité diminue et c'est la diminution qui va provoquer l'ovulation. En parallèle, vous voyez également une diminution de l'œstrogène. Dans la deuxième partie du cycle, le corps jaune dans l'ovaire fabrique la progestérone, et cette progestérone va faire augmenter la paroi interne de l'utérus. Donc voici un cycle représenté sous une autre forme, où on va voir la synchronisation qu'il y a entre l'ovaire et l'utérus. Au début du cycle, l'intérieur de l'utérus saigne, ce sont les règles. À J7, une semaine après, au niveau des ovaires, les follicules évoluent et fabriquent l'hormone œstrogène. Dans l'utérus, la paroi interne est fine. À J14, on sait donc l'ovulation, le follicule est mûr, il ovule, libère son ovule, et la paroi interne de l'utérus, elle s'épaissit. Vous voyez ici une vue de la paroi interne où on voit qu'elle s'est considérablement épaissie par rapport au début et que les vaisseaux sanguins se reconstituent. À J21 du cycle, à l'intérieur de l'ovaire, le follicule est devenu corps jaune, il fabrique la deuxième hormone, c'est-à-dire la progestérone. Et cette progestérone a pour effet d'épaissir la paroi interne de l'utérus et de l'enrichir en vaisseaux sanguins. L'utérus se prépare à accueillir un embryon. Si l'embryon ne s'accroche pas dans l'utérus, il va se détruire à l'intérieur et donner les règles. Si par contre il y a une fécondation, l'ovulation a lieu, une fécondation a lieu, je le rappelle, à l'intérieur des trompes. Progressivement, l'embryon va progresser dans les trompes. Il va mettre 7 jours à faire ça, il arrive donc dans l'utérus à J21. Et c'est pile le moment où l'utérus est épais, riche en vaisseaux sanguins, prêt à accueillir l'embryon. Donc le cycle de l'ovaire est en parfaite synchronisation avec le cycle de l'utérus grâce aux hormones. Si l'embryon ne s'accroche pas dans l'utérus, on a ici l'augmentation, l'utérus qui se prépare, l'embryon ne s'accroche pas, il se détruit. Ce sont les règles. Une autre visualisation pour comprendre le même phénomène. Dans l'ovaire, au début, l'évolution du follicule. Pendant ce temps, l'utérus, les règles. La paroi est fine, elle s'épaissit. Il y a l'ovulation. Il y a fécondation ou pas fécondation. Pendant ce temps-là, l'utérus s'est préparé à accueillir l'embryon. Et si l'embryon ne s'accroche pas, il y a les règles. Si la femme est enceinte, l'intérieur de l'utérus ne doit surtout pas se détruire vu que l'embryon s'est accroché à l'intérieur. Le corps jaune au niveau de l'ovaire continue à fabriquer de la progestérone, cette quantité augmente et c'est une hormone qui sera importante pour la grossesse
et elle va permettre à l'utérus de rester en place. Une femme enceinte n'a donc plus de règles. Cet utérus, il est important parce que c'est lui qui va contenir le fœtus et c'est par cet utérus que les échanges vont se faire par l'intermédiaire du placenta. Ça, c'est l'objet de la prochaine vidéo. Nous allons voir maintenant un petit logiciel pour voir le déroulé du cycle et comprendre quand un rapport sexuel peut être suivi d'une fécondation. Dans cette animation, deux cas de figure. Une femme qui a un cycle de 30 jours et une femme qui a un cycle de 27 jours. À votre avis, quand a lieu l'ovulation sur un cycle de 30 jours? Nous allons lancer l'animation et vous allez essayer de repérer quand a lieu, enfin quel jour a lieu l'ovulation. Donc au début, les 5 premiers jours, ce sont les règles. Pendant ce temps-là, dans l'ovaire, le follicule évolue. À l'intérieur de l'utérus, un épaississement. Entre-temps, il y a eu l'ovulation. Dans l'ovaire, le corps jaune qui se forme. Dans l'utérus, la paroi interne qui s'est épaissie et qui s'est préparée à accueillir un embryon. Vous avez eu le temps de voir quel jour a lieu l'ovulation? Recommençons. Vous avez eu le temps de voir quand a eu lieu l'ovulation? Eh oui, le 16e jour, 14 jours avant la fin du cycle. Il faut absolument retenir, l'ovulation a lieu 14 jours avant les prochaines règles. Du coup, sur le cycle de 27 jours, quand a lieu l'ovulation? Eh oui, vous l'avez constaté, 13e jour, 14 jours avant la fin, 27 moins 14, ça fait 13. Sur l'animation suivante, nous allons simuler un rapport sexuel, c'est-à-dire des spermatozoïdes qui vont être déposés dans les voies génitales féminines. Le but est d'essayer de comprendre quand, dans le cycle, un rapport sexuel peut être suivi d'une fécondation. Pour rappel, un ovule peut survivre jusqu'à 48 heures. La plupart du temps, il vit 24 heures, mais ça peut être maximum 48 heures. Et un spermatozoïde peut vivre entre 3 et 5 jours maximum dans les voies génitales féminines. Petit rappel, bien évidemment, toutes les femmes n'ont pas des cycles ni de 28 ni de 30 jours. Chaque femme est différente et il faut bien faire attention à la durée des cycles. Dans cet exemple donc d'un cycle de 30 jours, pour rappel, l'ovulation a lieu le 16e jour. Donc si je clique sur le 16e jour, l'ovulation a lieu. Donc, si les spermatozoïdes sont déposés, l'ovule est en place, ils mettent entre 6 et 12 heures à remonter. Ils ont de la chance, ils ont rencontré l'ovule. Un spermatozoïde va réussir à pénétrer à l'intérieur de l'ovule, former une cellule œuf. Et cette cellule œuf va progressivement se transformer en embryon, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules. Mais 7 jours à arriver jusque dans l'utérus. Et l'embryon s'accroche. Une grossesse commence. Donc, un rapport le jour de l'ovulation, ça fonctionne. Est-ce qu'un rapport le 11e jour du cycle, ça fonctionne, à votre avis? On est 11e jour, ovulation, 16e jour, 5 jours avant l'ovulation. Voyons voir. Il est évident qu'à ce moment-là, l'ovulation n'a pas encore eu lieu. Les spermatozoïdes mettent entre 6 et 12 heures à arriver.
mais ils peuvent survivre 5 jours. Donc même si l'ovulation n'a pas eu lieu, le 16e jour du cycle, certains sont encore vivants, et la fécondation peut avoir lieu. La cellule se forme. 2 cellules. 4 cellules. 8 cellules, on est à 2 jours. 16. Et petit à petit, l'embryon en division progresse et au 7e jour s'accroche à l'intérieur de l'utérus. Donc un rapport le 11e jour, ça fonctionne. Mais la fécondation n'aura lieu qu'au moment de l'ovulation, c'est-à-dire le 16e jour. Est-ce qu'un rapport le 9e jour, ça marche? Eh ben non. Le follicule n'est pas encore assez mûr, on est bien avant l'ovulation. Un spermatozoïde ne vivant que 5 jours. 9e jour, 1, 2, 3, 4, 5, nous sommes le 14e jour, quand il meurt, il n'y a pas encore eu d'ovulation, donc la fécondation ne fonctionnera pas. Bon, petit point de détail, les spermatozoïdes, non, ne vont pas à l'intérieur du corps humain, ils attendent ici, et au bout de 5 jours, ils sont détruits. Est-ce qu'un rapport le 17e jour, ça fonctionne? On est le lendemain de l'ovulation. Et donc, ça va marcher. Mais le 19e jour, l'ovulation a eu lieu, l'ovule ne vit que 24 à 48 heures, il est donc déjà détruit, les spermatozoïdes arrivent, mais c'est trop tard, il n'y a plus d'ovule. Donc ça ne marchera pas. Donc en résumé, dans cette situation de 30 jours, l'ovulation a lieu le 16e jour, ça marche 5 jours avant, et ça marche jusqu'à 2 jours après. Donc, vous l'avez compris, la période de fécondité, c'est la période durant laquelle un rapport sexuel peut être suivi d'une fécondation, c'est-à-dire la femme peut tomber enceinte. Comme vous l'avez vu dans le logiciel, cette période dure donc de 4 à 7 jours, 7 jours maximum. Elle correspond à la durée de vie du spermatozoïde qui peut survivre jusqu'à 5 jours. Donc un rapport sexuel peut être suivi d'une fécondation 5 jours avant l'ovulation. Et jusqu'à 2 jours après, vu qu'un ovule survit généralement 24 heures, mais peut survivre jusqu'à 48 heures. Donc cette période de 7 jours ovulation moins 5, ovulation plus 2, c'est la période où la femme peut être enceinte. Et le développement du bébé et la grossesse sera l'objet de la prochaine vidéo. Au revoir !